La fin surprise des aides aux thermostats connectés. Visiblement, les arnaques trop nombreuses ont eu raison du dispositif. C'est une annonce surprise. Souvenez-vous, depuis un an, on pouvait profiter d'un gros coup de pouce pour s'équiper en thermostat sur ses chauffages pour faire baisser la facture. Eh bien, en catimini, le gouvernement y a mis fin prématurément. Explication Anne Sylvain avec David Bazier et Marie-Pierre Cassignard. Il y a un an, c'était la bonne nouvelle pour faire des économies d'énergie. Une aide de l'État pour l'achat de thermostats connectés sur les radiateurs. Vous savez qu'il existe donc maintenant une gamme connectée, notamment. Mais le gouvernement dit stop, il y a eu trop de fraudes. Déception de ses consommateurs. Des fois, les gens ne le feront pas. Non, les gens ne le feront pas. Ça me fait réfléchir un petit peu. En tout cas, je ne vais pas le faire là maintenant. Montant de l'aide pour ces thermostats connectés, jusqu'à 624 euros en fonction de la taille du logement. Un coup de pouce et une bonne affaire pour les escrocs. Cette particulière, qui préfère garder l'anonymat, en a été victime. Il était habillé tout en EDF avec une valise, comme quelqu'un qui travaillait à EDF. Il s'est présenté, voilà, je viens pour vous poser les thermostats. Nous, on s'est dit, bon, comme on a eu des nouveaux radiateurs il y a à peu près 2 mois, on s'est dit, oh, bon, c'est peut-être des nouveaux thermostats qu'ils vont nous mettre. Le thermostat n'a jamais fonctionné, mais l'escroc, lui, a bien empoché l'aide. Le gouvernement met donc fin au dispositif un mois plus tôt que prévu. Pour les professionnels, c'est la décision qu'il fallait prendre. Il faut être que ce coup de pouce perdure, mais pas dans les conditions actuelles. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de se remettre autour de la table avec les pouvoirs publics pour faire en sorte qu'on soit un peu plus exigeant sur les qualifications, les certifications des entreprises, notamment les temps Qualistab ou bien RGE. À partir de 2027, tous les particuliers devront s'être équipés d'un thermostat connecté.